pour les gens qui ont vu le DVD qui accompagnait mon précédent album Second Souffle, à l'intérieur, il y avait un petit reportage où on me voyait à Montréal, où j'étais parti faire une série de quelques concerts. Et là-bas, j'avais fait la connaissance d'un beatmaker, Full Clip. Et pendant le séjour, il m'avait fait écouter des prods. Et il y avait notamment un son qui avait attiré mon attention. Et j'avais écrit quoi, 8 ou 12 mesures dans la voiture. Et beaucoup de gens m'avaient demandé où est-ce qu'ils pouvaient se procurer ce titre-là, qui en était pas un, c'était juste un petit freestyle écrit comme ça sur le moment, sur le vif. Je connais pas le morceau. Viens écouter, tu me dis si tu comprends tout. Si on n'est pas trop descendu, c'est le rapport avec la caisse claire et puis il y a des synthés. Moi, je prends ça. Deuxième jour. J'ai plus d'une rime dans mon parier. Si t'as 5 billets, tu sais sûr qu'il est parié. J'explose le beat, retrouve les restes des MC éparpillés. Mon travail finira. Et ça, c'est pour humaniser le truc. Et en fait, j'ai décidé de reprendre cette prod là et de reprendre les meilleures phases que j'avais écrites dans la voiture et d'en faire un titre. Et ça a donné Dans mon barilé, c'est le premier titre de l'album. Je trouve que ça fait une bonne présentation, c'est une bonne mise en bouche. C'est ego trip, c'est freestyle, il n'y a pas vraiment de thème, si ce n'est une phrase qui pour moi résume bien le titre et mon état d'esprit. Le rap c'est du biz et des billets, mais avant tout c'est de la musique et ça beaucoup l'ont oublié. Le rap c'est du biz et des billets, hey, mais avant tout c'est de la musique, mais ça beaucoup l'ont oublié.